Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on prépare les cathlètes au thon. Pour faire les cathlètes au thon, il vous faudra 2 kg de pommes de terre, 3 boîtes de thon naturel, 3 gros oignons ou des échalotes, des œufs, du citron, de l'huile pour la cuisson, de la chapelure pour le nappage, du persil frais de préférence, mais j'en ai pas. De la ciboulette fraîche aussi et les épices que vous voulez. On va commencer par cuire les pommes de terre dans l'eau. Les pommes de terre sont cuites. Maintenant, il faut les éplucher. Voilà, les pommes de terre sont cuites, on les a épluchées. Maintenant, il vous faudra une râpe à carottes et une bassine. On va commencer à râper les pommes de terre. Pas facile avec une seule main. Vous pouvez utiliser soit une râpe à carottes, soit les écraser avec une fourchette. À vous de voir la manière qui vous arrange. Les pommes de terre sont bien râpées, sont réduites en purée. Maintenant, on va essorer le thon, découper les oignons, le persil, la ciboulette, la coriandre fraîche. On va saler. On va mettre un tout petit peu de jus de citron et on va passer au mélange. On a rajouté les oignons. Le thon. On va le faire égoutter, bien l'essorer avec les mains. Il faut enlever tout l'eau. On a mis le thon, les oignons, le persil, la coriandre, le cumin, le jus de citron, le poivre. Maintenant, on va mélanger. Le mélange thon-pomme de terre est fait. Nous allons passer à former les boulettes. Voilà comment former les boulettes. Vous prenez un bout de pâte. Vous le roulez et vous formez, vous lui donnez la forme que vous voulez. La chapelure, on la met dans une assiette. Ensuite, on prend une boulette. On l'enroule dans la chapelure et on le pose sur le plat. On fait la même chose avec toutes les boulettes. Les cathlètes sont bien nappées avec la chapelure. On va les passer à l'œuf battu et on va les frire. On bat les œufs avec un fouet. Nous allons passer à la cuisson. On fait chauffer un peu d'huile. On prend un cathlès. On le trempe dans l'œuf. Et on le met dans l'huile. Et voilà les cathlès. Bien doré. Ils sont bien dorés, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Comme je les aime. Bon appétit.